Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous d'Alternative, votre rendez-vous hebdomadaire pour décrypter les grands enjeux internationaux en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Et chaque semaine, vous le savez maintenant, nous vous offrons une analyse approfondie sur des sujets pluridisciplinaires avec des chercheurs spécialisés mais aussi des personnalités. Un décryptage alternatif vu de l'Afrique, vu du Maroc. Et c'est du Maroc et de l'Afrique précisément que je vous propose de parler aujourd'hui du Maroc dans l'Afrique avec ce prix de la Confédération africaine de football et de la FIFA qui vient d'être décerné au président Paul Kagame et au roi Mohamed VI pour les meilleures réalisations de 2022 dans le domaine du ballon rond. Le souverain marocain et Paul Kagame se sont ainsi vus remettre le prix président. C'est un prix d'excellence qui récompense l'action et l'investissement des chefs d'État dans le secteur footballistique sur le continent et au-delà. Une distinction attribuée lors du 73e congrès de la FIFA à Kigali. Il s'agit d'une véritable reconnaissance internationale du football marocain par les institutions du secteur. Le leadership du roi Mohamed VI salué de manière retentissante sur le continent. Et le souverain marocain a choisi de faire l'annonce de la candidature du royaume à ce moment-là pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal. On en parle tout de suite avec notre invité et une fois n'est pas coutume, Alternative vous emmène à Paris avec Saïd El Abadi, journaliste sport pour le groupe Canal+. Bonjour Saïd. Bonjour Nadia, bonjour à tous. Alors, lors de cette cérémonie à Kigali, Gianni Infantino, le président de la FIFA, a dit qu'il se sentait, qu'il était africain, rwandais et marocain. Alors, au-delà du symbole, est-ce que l'on peut dire, selon vous, qu'avec ce prix d'excellence de la Confédération africaine de football décerné par la CAF et la FIFA au roi Mohamed VI, que le Maroc a encore franchi une étape dans son ascension fulgurante dans la planète football ? Exactement, oui. Forcément, on a eu une année 2022 complètement exceptionnelle pour le Maroc, que ce soit footballistiquement parlant, avec des résultats assez exceptionnels, il faut le dire, que ce soit dans les clubs ou la sélection nationale, même les sélections nationales, parce qu'il faut rappeler qu'on a les féminines également qui brillent au Maroc. Donc, bien sûr. En 2022, on peut dire que c'était l'année du Maroc et c'est bien pour cette raison que Gianni Infantino a bien précisé qu'il était marocain quand il venait au Maroc et il l'a encore précisé hier à Kigali, au Rwanda. Et c'est justement lors de cette cérémonie historique à Kigali pour le Maroc que le roi Mohamed VI a choisi d'annoncer la candidature officielle donc, du royaume pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030, une candidature conjointe avec l'Espagne et le Portugal. Le Maroc espère donc devenir le second pays africain après l'Afrique du Sud à abriter la grand-messe footballistique en 2030. Est-ce qu'il a raison d'espérer, Saïd El Abadi, selon vous ? Déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que le Maroc, ce n'est pas la première fois qu'il tente d'avoir cette Coupe du Monde dans son royaume. Malheureusement, il y a eu plusieurs échecs, j'ai envie de dire, auparavant, 94, 98, 2006, 2010, la pire peut-être contre l'Afrique du Sud, celle qui nous a vraiment marqué, on s'en souvient beaucoup. Et là, avec tout ce qu'il s'est passé ces derniers temps, avec le Qatar qui a montré qu'il fallait avoir énormément d'argent pour organiser une compétition, et surtout la prochaine en 2026 avec les États-Unis qui vont, on parle des États-Unis quand même, qui est quand même un très grand pays, mais qui vont quand même s'appuyer sur le Canada et le Mexique pour organiser leur Coupe du Monde, on voit bien qu'il faut être plusieurs pour être armé pour organiser cette Coupe du Monde. C'est donc normal que le Maroc s'associe stratégiquement et géopolitiquement, on peut le dire, avec l'Espagne et le Portugal. Mais ce qu'il y a de marquant, et c'est ce que l'a très bien dit le roi dans son discours, dans cette lettre qui a été lue hier devant l'Assemblée au congrès de la FIFA, c'est un événement que cette union entre des pays européens et un pays africain, ce qui permet de lier historiquement le Nord et le Sud, ce qui est du jamais vu, parce qu'on a déjà, on n'a jamais vu deux continents organiser une Coupe du Monde. Donc c'est assez historique et c'est vraiment à noter. Et c'est là qu'on peut se dire que le Maroc va peut-être
enfin, et on l'espère, on ne croise réellement les doigts, et je pense que c'est possible, que c'est vraiment possible, pardon, que le Maroc va pouvoir accueillir enfin cette Coupe du Monde tant attendue. C'est le moment ou jamais, hein, selon vous. Il y a ce petit plus, ce gros plus même, je dirais, cette reconnaissance sur le continent, à l'international, l'exploit historique des Lions de l'Atlas du Qatar 2022 qui est encore dans tous les esprits. Il y a vraiment des chances. Complètement, complètement du sens, complètement, parce que sportivement déjà, on l'a pu le voir avec cette dernière Coupe du Monde exceptionnelle. Et je pense même que c'est cette performance à la Coupe du Monde 2022, la demi-finale, et surtout la joie, le public, l'envie, tout ce qui a été parfait dans cette Coupe du Monde. Eh bien, je pense que ça a réellement poussé cette candidature. Et ça a poussé également l'Espagne et le Portugal, qui devraient officialiser également, parce qu'on ne les a pas encore entendus, mais c'est qui vrai. Devraient officialiser aujourd'hui, parce que le congrès de la FIFA se poursuit au Rwanda, devraient l'évoquer aujourd'hui, cette candidature à trois. Et c'est logique, parce que il faut rappeler que le Maroc a éliminé le Portugal et l'Espagne d'ailleurs. C'est assez marquant. Donc footballistiquement, ça a du sens. Mentalement dans le sens où c'est un pays de football, on a pu le voir avec notre public, notre magnifique public, que ce soit au Qatar, mais également derrière les écrans de télévision, enfin derrière les caméras, parce qu'on a pu le voir. Alors moi je prends l'exemple de Paris, mais toute la France, on a pu voir que le monde entier était pour le Maroc, en Belgique et surtout au Maroc. Le Maroc est un pays de foot, donc tout ça fait sens évidemment. Ça fait sens, et en attendant justement les annonces respectives de l'Espagne et du Portugal, dont les fédérations effectivement sont actuellement à Kigali, le Maroc est également candidat pour l'organisation de la CAN 2025. Alors dans ce contexte, quel pronostic selon vous pour cette échéance-là? Le Royaume a-t-il des chances à côté de la Zambie, de l'Algérie, du Nigeria et du Bénin qui font une candidature commune, et si oui, pourquoi? Oui, complètement. Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut savoir, c'est que oui, le Maroc est favori pour la Coupe du Monde. Je m'enflamme même moi, je veux cette Coupe du Monde. Lapsus révélateur, on la veut tous. pour la Coupe d'Afrique 2025, oui. Et en plus, avec l'annonce d'hier, c'est une très bonne chose d'avoir cette Coupe du Monde 2025, parce que ce sera une véritable, comment dire, j'ai plus le mot, mais ça va. Consécration. Consécration, et ce sera l'occasion surtout de se tester, de montrer que le Maroc peut organiser un gros événement sportif. Alors oui, le Maroc l'a déjà prouvé l'année dernière avec les femmes, en organisant cette fameuse Coupe d'Afrique des Nations, où les filles ont atteint la finale, et c'était un événement magnifique. Mais là, organiser une Coupe d'Afrique des Nations masculine, ce sera la preuve que le Maroc a les infrastructures déjà, est capable d'organiser, et d'ailleurs, de toute façon, je parle d'infrastructure, mais en Afrique, qui d'autre a de telles infrastructures, que ce soit au niveau des stades? Bien sûr, il y a encore des stades à construire, on parle évidemment de ce fameux grand stade de Casablanca, qu'on espère voir un jour, mais pour le moment, le Maroc a pas mal de stades déjà performants, et ensuite, je parle d'infrastructure, mais je rappelle que le Maroc a de nombreux terrains d'entraînement assez intéressants, et ce n'est pas pour rien que de nombreuses équipes africaines viennent disputer leurs matchs amicaux ou leurs matchs de qualification, comme ce fut le cas énormément l'année dernière en 2022. Donc oui, le Maroc, pour moi, est un grand favori pour 2025, pour toutes ces raisons. Maroc, grand favori. Et le Maroc récompensé, encensé par l'Afrique, la CAF et la FIFA. Le Maroc candidat pour la CAN 2025, candidat pour la Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal. Quelle portée cette reconnaissance à l'international a sur la jeunesse marocaine, la jeunesse africaine et aussi la diaspora? Saïd El Abadi, dont vous faites partie également. Est-ce que l'on peut parler d'un véritable soft power à la marocaine aujourd'hui à travers le monde du football? Alors évidemment, alors, comme je l'ai dit en début d'émission, 2022 a été exceptionnel pour le football marocain, mais aussi pour le rayonnement. Alors, pour énumérer rapidement, on rappelle que le Wydad et Berkane ont gagné les deux Coupes d'Afrique des clubs. Derrière, l'AS FAR féminine a également remporté la Ligue des Champions féminine. Vous avez la sélection féminine qui a atteint la finale et s'est qualifiée pour la Coupe du Monde qui se disputera cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et vous avez les hommes
qui ont donc fait un parcours somptueux avec la sélection. Donc tous ces résultats ont permis aux Marocains déjà locaux d'avoir une énorme fierté, mais également à la diaspora de se trouver aussi une fierté au niveau footballistique et au niveau de leur pays d'origine, parce que voir son pays d'origine briller face à des grandes écuries que sont l'Espagne, que sont le Portugal, la Belgique et j'en passe, et être quatrième mondial, c'est une énorme fierté. Et j'ajouterais qu'il y a cette fierté, évidemment, mais j'irai un peu plus loin dans le sens où de nombreux footballeurs marocains d'origine qui évoluent en Europe, que ce soit en France, en Belgique, etc., eh bien, ces joueurs ont souvent, dès qu'ils brillent, ont souvent la possibilité d'évoluer en sélection, que ce soit Belgique, France, etc., et ils oublient de jouer, enfin, ils oublient, ils hésitent à jouer pour le Maroc. Parfois, ils se disent « Non, ça ne va pas être bien, j'ai peur de ne pas être au niveau, j'ai peur de ne pas disputer de grandes compétitions, etc. » Mais ce rayonnement de l'équipe nationale en Coupe du Monde a permis justement à certains joueurs de faire leur choix et de se dire « Non, je veux jouer avec le Maroc, le pays d'origine de mes parents. » Et c'est pour ça qu'on a de nombreux joueurs qu'on a pu voir dans la dernière liste de Walid Regragui, je crois que c'était lundi, oui, pardon, qui a été dévoilée lundi. On peut voir des nouveaux joueurs comme Benjamin Bouchouari, qui évolue à Saint-Etienne notamment, pour ne citer que lui, qui a toujours dit qu'il voulait jouer pour le Maroc et l'a encore confirmé après ce rayonnement lors de la Coupe du Monde 2022. Un rayonnement qui change profondément, vous venez de le dire, Saïd El Abadi, le mindset à l'international des joueurs. Des joueurs marocains qui brillent au féminin également, vous en avez parlé à l'instant. Je terminerai avec la grande Rizlane Chebbeck, hein, qui a été elle aussi élue meilleure joueuse africaine en 2022. Complètement, oui. Elle a été formidable, cette Chebbeck, comme on le dit. Elle a vraiment brillé, mais elle a brillé comme toutes les autres joueuses. Ça a été formidable. Moi, j'ai hâte d'une chose, c'est de les voir à cette Coupe du Monde 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elles ont fait vibrer tout le peuple, toutes ces filles. C'est assez incroyable ce développement du football féminin, et c'est pour ça d'ailleurs que le Maroc a été récompensé. On peut également le rappeler, hein. On parle de football masculin énormément, c'est vrai que depuis tout à l'heure j'énumère énormément les résultats des footballeurs, mais rappelons que les footballeuses l'an dernier ont été incroyables et elles le sont toujours, et je pense qu'elles vont continuer à nous faire vibrer, sachant que il ne faut pas oublier, on parle des féminines, mais n'oublions pas que les U17 féminines, les joueuses, les petites, ont disputé également leur premier mondial en Inde en 2022. Donc il faut rappeler que derrière ces grands résultats, il y a également les jeunes qui poussent, et pas que les hommes. Les filles poussent également, donc ça fait plaisir. Des jeunes poussent prometteurs et prometteuses, merci infiniment. Saïd El Abadi, journaliste sport pour le groupe Canal+. Vous étiez avec nous dans Alternative, c'était un plaisir. Merci à vous pour l'invitation. C'était vraiment agréable de parler avec vous de tous ces sujets hyper importants pour le Maroc et hyper importants pour nous qui représentons la diaspora à l'étranger. Ravi, merci beaucoup. C'est la fin d'Alternative. Excellente suite des programmes. À la semaine prochaine.